de Dieu a sonné pour ta délivrance. Amen. C'est pas un sorcier qui aura décidé. Dieu a décidé de te délivrer. Amen. La délivrance d'Israël ne dépendait pas de Pharaon. Non. Il dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. J'ai vu la souffrance. Va et délivre Israël. Amen. Alléluia. Il a dit à Moïse, va et délivre Israël. Amen. Quand Pharaon dit, non, il dit, ok, je vais régler le problème de Pharaon. Parce que pour moi, Israël doit être à Canaan. Frère. Ta destinée, c'est à Canaan. Canaan, ce qui symbolise Canaan, c'est ta guérison, là où tu as la paix, où tu as la joie. C'est le travail, c'est la santé, c'est le boulot, le voyage et le mariage. Nous devons être à Canaan. Dieu ne devait pas là dans cette maison de la servitude. Tu es esclave. Tu es prisonnier dans la maison du Pharaon, qui est le sorcier, qui contrôle ta vie. Or, le plan de Dieu, c'est que tu sois Canaan. Amen. Il faut que tu sois Canaan. Amen. Il faut que chacun soit révolté ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Tu devrais te révolter ce soir. Amen. On va taper la sorcellerie. Le sorcier n'a pas toujours régné sur lui. Non. Il faut qu'il ait peur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas de l'amusement qui est prêt. Amen. Il faut que tu sois délivré. Tiens, quelqu'un. Alléluia. On va se tenir debout et nous allons prier. Amen. On va prier sérieusement ce soir. Viens que je prie pour toi. Deux fois. Oui, je prends les pieds attachés. Les pieds sont attachés. Il a fait le sel. Et ça te crée des problèmes. C'est ce que les médecins disent. Oh, c'est pas normal. C'est ça? C'est ce que ça veut dire. Quand il trouve que ses pieds sont fermés, ça veut dire que c'est pas normal. Non, c'est pas normal. C'est Dieu qui fait encore. Amen. 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 C'est pour faire la lèvre. Oui. Hein? Pourquoi tu demandes de partir pour revenir? Amen. Dieu peut faire. Amen. Amen. J'ai prié une fois pour un bébé qui était mort dans le ventre d'une femme. Vous voyez, c'est mort. Il faut devoir l'opérer. Il dit bébé à vie. Amen. On a déjà payé. J'ai dit, stop. Non, on a déjà payé, c'est pas une question. On a déjà réglé, nous, je m'en fiche. On a payé, Amen. Amen. Dieu est capable de te délivrer. Amen. Amen. Tu crois ça? Je crois. Moi, je le crois. Amen. En fait, il y a un problème. C'est qu'elle doit forcément. C'est que le gars va décider ce qu'elle meurt avec cette personne. Oh! Il a menti. Il a menti. Quand je donne à quelqu'un qui s'assoit, c'est ça. C'est ça, on dit, qui s'assoit. La puissance de Jésus. Au nom de cette imposture, empêche cette soeur d'expérimenter la grâce de Dieu. Je vais parler un peu de son image. Je sens qu'il s'est attaché, finalement spirituel. Ils ont mis une corde ici. Ils ont mis une corde ici. L'enfant n'est pas ici, là-bas. Ils m'ont attaché ici. Quand elle allait accoucher, quand elle a poussé, elle a mouru de tout fond. Ils allaient serrer la corde. Puis là, tu es parti. Non seulement tu allais perdre le bébé, mais plutôt aussi tu allais partir. Au nom de Jésus. Dieu te bénit. Au nom de Jésus. Reçois la délivrance. Je commande aux esprits de te lâcher.
les esprits libèrent dans le nom de Jésus. La puissance de Jésus te délivre du matériel. Que ce soit la délivrance du matériel. Je délivre cette grossesse. Vous entendez, lâchez la grossesse. Lâchez le bébé. Oui, lâchez la grossesse. Et lâchez le bébé. Et lâchez la grossesse. Lâchez-la. Lâchez la grossesse et lâchez le bébé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lâchez la grossesse et lâchez le bébé. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Jésus. La puissance de Jésus. La puissance de Dieu. 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 Vous lâchez cette grossesse. Vous lâchez cette grossesse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Libérez. Libérez au nom de Jésus. Lâchez-la maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La puissance de Dieu. La puissance de Jésus. La puissance de Jésus. Au nom de Jésus. Lâchez la grossesse. Et lâchez toute sa vie au nom de Jésus. Lâchez toute sa vie. Je refuse vos œuvres. Je refuse au nom de Jésus. Lâchez sa vie. Libérez-la au nom de Jésus. Libérez-la au nom de Jésus. Libérez-la au nom de Jésus. Je détruis ton pouvoir. Je détruis ton pouvoir. Je détruis ton pouvoir. Au nom de Jésus. Vous lâchez totalement sa vie. Oui, lâchez-la. Oui, lâchez-la. Oui, lâchez-la. C'est un ordre. 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 Qui es-tu, toi? Toi. Oui, quel est ton nom? Toi. Toi. Oui, quel est ton nom? Toi. Toi qui ne veux pas lâcher sa vie. Oui, quel est ton nom? Oui, quel est ton nom? Qui es-tu, toi? Oui. Quel est ton nom? Qu'est-ce que tu as détruit dans sa vie? Parle, 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 parle. Qu'est-ce que tu as détruit dans sa vie? Je t'entends pas. Je t'entends pas. Tu as bloqué quoi? Tu as bloqué quoi? Tu as bloqué quoi? Tu as bloqué quoi? Qu'est-ce que tu as bloqué? Qu'est-ce que tu as bloqué? J'ai tué sa mère. Oh! Et qu'est-ce que tu as gâté dans sa vie? Sa fille. Oh! C'est le toit de sa famille. C'est le toit de sa famille. L'esprit dit c'est le toit de sa famille, n'est-ce pas? Oh! Elle est l'étoile de sa famille. J'ai tué sa mère pour qu'elle se rende au village. Seigneur, j'ai tué sa mère pour qu'elle se rende. J'ai tué sa mère. Sa aïe. J'ai tué sa mère pour qu'elle se rende au village. Quel est ton nom? Bernard. Seigneur. Tu t'appelles Bernard? Non. Comment tu t'appelles? Quel est ton nom? Quel est ton nom? Parle. Oh! Parle. Elle me dit, elle passe pour la nuit. Passe pour l'ONU. Oui. Passe pour l'ONU. Oui. Passe pour l'ONU. Oui. Elle a eu le statut. Mais tout ça, c'est rien. Oui. Elle a gardé sa peau. C'est dans le
Et l'esprit dit quoi? Il a eu un passeport d'ONU, c'est ça? Ah oui. Il fait la statue de réfugié, il l'a bloqué. La passeport l'ONU. Ça fait combien de temps que tu as bloqué son voyage? Amen. Ça fait combien de temps que tu as bloqué son voyage? Les oui, non, je parle du voyage. Ça fait combien de temps que tu as bloqué son voyage? Oh Seigneur. Oui. Ça fait combien de temps? Jésus et tu voulais la tuer avec la grossesse, c'est ça? Je prends son cœur, je mets le feu dans son cœur, je mets le feu dans son cœur, je mets le feu. Elle est malade, c'est ça? Pour que ça mène, c'est elle qui doit rester, c'est elle qui doit rester. C'est elle qui doit rester. Oh, ma mère. Oh. Oui, maintenant, t'as choisi elle. Oui. C'est toi qui as sa soie, c'est elle? Oui. Okay. Et tu fais aussi l'amour avec elle? Oui. Ok. Je veux pas. Tu as caché sa chance. Tu as caché dans sa chambre dans un fromager, c'est ça? Oui. Ok. Ça dit, le passeport est tout dans le fromager? Oui. Ok. Le voyage se trouve dans le fromager. Si elle va, si elle s'écrase, si elle va, c'est comme si elle n'est rien. Elle va se retourner. Oh, ça passe un menteur.